Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, j'espère que vous allez bien, ici ça va toujours très bien. Ici sur cette chaîne, je suis là pour te parler d'une recette que... Alors challenge, défi qui m'a été lancé par le bro Brice de Gaming Zone qui a voulu que je fasse pour le premier live Twitch de Bubble Fever qu'on inaugure une boisson aux couleurs de son personnage préféré qui est Végéto Bleu. Donc tu vois la photo, je te la montre. Et donc voilà, donc j'ai fait des crash tests. Donc j'ai fait un premier crash test avec une première version où j'étais plus ou moins content. Je me suis dit pour le live ça va le faire. Et pour le live, malheureusement, ça n'a pas marché. Si tu vois dans l'extrait vidéo que Brice a partagé sur sa chaîne YouTube, tu verras que je n'ai pas tout à fait obtenu les éléments de la Brice Tower. J'ai pas réussi à avoir les trois niveaux. Il y a trois couleurs les amis. Il y a trois couleurs. Ah, je suis allée trop vite, ça est remonté. Zut. Bon, il y a deux couleurs maintenant. Pendant une seconde, il y avait trois couleurs. Il y avait trois couleurs, je suis allée trop vite. Donc, pas moyen, je reste pas sur un échec. J'ai décidé de la refaire pour cette nouvelle vidéo. Et donc, pour sécuriser le tout, on va le travailler exclusivement en slush. Donc, le slush qui est quoi? En fait, tout simplement du granité. Donc, pour s'assurer d'avoir les différents niveaux. Donc, c'est parti, on place à la recette. Il te faudra pour commencer des perles tapioca Bubble Fever que tu peux retrouver directement sur la boutique bubblefever.eu. Je les ai cuites au préalable. Il te faudra également de la nata de coco aromatisée à l'ananas, donc également sur notre boutique. Le sirop de kiwi. Également un petit coulis de fruits jaunes. Donc là on est sur un mix mangue et abricot. Il te faudra en fait de la fleur de pois papillon. Donc soit en forme de fleur, soit en forme de poudre. Tu peux retrouver directement sur la boutique de Jessie Namsa Infusion. Il te faudra, bah là j'ai préparé de quoi réaliser deux verres. De l'eau chaude et des glaçons. Là je verse l'infusion bleue pois papillon directement à l'intérieur de ma carafe. J'ai à peu près pour 300 ml d'eau chaude pour bien diluer en fait la poudre. J'ai décidé d'opter pour de l'eau chaude, tu peux le faire aussi à froid mais je trouve que c'est plus efficace avec de l'eau chaude. Donc voilà, je verse tout et là c'est parti, je mélange. Je verse une cuillère de sirop de kiwi à l'intérieur du premier verre. Voilà. Ensuite, je vais mettre une autre cuillère également dans le deuxième verre. Voilà. Tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour bien habiller, on va bien napper en fait la paroi du verre. On va travailler de cette manière-là pour que visuellement, on est bien les trois couleurs. C'est une étape que j'avais oublié de faire et j'avais galéré en fait pendant le live. Et tu vois comme quoi c'est toujours bien de faire les tests. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite je vais pouvoir passer à la suite. Je vais prendre mes glaçons. Donc là je vais prendre ma petite carafe de glaçons. Donc j'en ai à peu près pour 500 ml. Voilà. Voilà. Voilà, tac, je verse 1 et 2. Et là c'est parti, je vais verser l'infusion bleue pour papillon. Voilà, on va mettre des petites perles de tapioca. Et voilà.
Voilà, voilà, c'est tout pour cette recette. T'as vu, bon, comme quoi il faut jamais aller lâcher l'affaire. Donc je suis bien contente, j'ai réussi à avoir mes 3 niveaux de couleurs. Donc maintenant, je n'ai pas Brice pour la dégustation, mais je vais appeler notre ami Ami. Parce que j'ai toujours besoin de testeurs et de goûteurs, n'est-ce pas? Donc voilà, donc voici bien, ton verre et mon verre. Donc on va pouvoir le goûter en live. Ah, mais tu sais que Végéto, yes, il a les cheveux plus scintillants bleus. Ah bon? Ah oui. Ah donc je suis ratée encore? Non, mais regarde, on va y remédier. Est-ce qu'il y a de la lumière? Est-ce que ça marche? Ça marche. Ça marche. Bon, bah c'est parti alors, hein. Go, hein. Bah go, hein. C'est parti, alors moi je vais... Ouais, je vais faire comme toi. Parce que là, ça va être dur hein, pour aller jusqu'au bout. Alors, le truc, c'est que les... Faut tout mélanger, faut aller faire le fond, parce que tu vas avoir le kiwi. Ici, tu vas avoir justement la mangue et l'abricot. Et là, l'infusion bleu poids pavillon, je l'ai pas sucré, sinon tout le sucre se trouve en bas. Alors, regarde, ce que t'as fait, c'est que t'as appelé Sharon tout en bas. Ouais. Et la soupa Saiyajin. Waouh. Et la soupa Saiyajin Blue. Waouh. C'est pour ça, t'as vu? Et j'ai même pas fait, j'ai fait ça intuitivement. Ouais. J'ai pas fait exprès. Voilà. Là, faut tout mélanger. Moi j'y vais doucement parce que je n'ose pas. Moi j'y vais, longtemps, je suis bourrée. Voilà, paf. Et là c'est good. Normalement on est bon. Vu le nombre d'essais que tu as fait, donc je prends le temps de savourer. C'est trop sympa. Je prends le temps de savourer. Mais en vrai c'est facile. Hein. Je dis ça, j'ai jamais fait. Vas-y. C'est bien mélangé là. Tu peux y aller. Ok. C'est bon. C'est beau. C'est rafraîchissant, hein. Ah ouais. Surtout avec cet hiver. Non mais surtout que vous rendez pas compte, mais ici au studio, il fait super chaud quoi. Là, il est avec son sweat et tout, mais en fait, c'est l'été quoi. Moi, pas trop sucré, c'est très bien. C'est le but, hein. Parce qu'il faut que la boisson reste rafraîchissante. Souvent, en fait, dans les granités, c'est l'excitude qui fait qu'à un moment donné, t'es écœuré, tu finis pas ton truc. Ouais. Là, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez homogène, d'avoir du goût. En plus, avec une petite paire de tapioca et une nata, ça fait un petit twist aussi. T'as de la texture. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Ah, je suis. Ah, si je peux content. Faire, dis-moi. Je pourrais peut-être rajouter un peu d'acidité. Tu veux? Tu as tout à fait raison, ami. Je suis d'accord avec toi. D'habitude, lorsque j'utilise le sirop de kiwi dans mes cocktails à base de bubble tea, le cocktail du chef, pour ceux qui connaissent, je travaille d'habitude avec de l'agrume, donc le kumquat. Sauf que l'infusion bleu pois papillon, eh ben, sa réaction, c'est qu'avec un pH acide, comme le citron, eh ben, elle change de coloration. Donc c'est pour ça que j'ai volontairement exclu le citron. Mais on est d'accord, c'est vrai que c'est bien meilleur avec un point de citron. Donc on y va. Et là ça va changer de couleur? Non, là c'est déjà mélangé, mais par contre pour le goût ça va être très sympa. C'est déjà mélangé donc il n'y aura pas de changement de couleur, mais c'est quand tu prends, si tu veux changer et voir en fait ce que ça va donner, on peut le faire ici. Là on va le faire en live. Regarde ici. Regarde. Ah ouais, beau. C'est beau hein. On va faire le citron. Vous voyez ou pas à l'image? Oui. Ça y est, c'est magique, hein. Ah oui, c'est beau. Et là, on a un changement de coloration. C'est une prochaine idée pour un prochain cocktail, hein. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'avec le citron, là, ça lui donne du caractère. Attends, mais regarde, ça a fait relever le verre. Je tiens à préciser. Savoir que moi, je suis très sensible aux couleurs, je vois tout de suite les changements. Ah oui, t'as vu, hein. C'est vrai que avec la grume, c'est magnifique. Voilà, voilà, chers amis Bubble Lovers et amis Brooders également. Voici la vidéo retwistée du Bubble Tea bleu, enfin végétaux bleu. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez refaire la recette, c'est très simple. Il suffit simplement de bien suivre les différentes étapes et pouvoir le refaire chez vous. Ça va être très facile. Merci à vous et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'oubliais. Si vous voulez retrouver le contenu des playlists dédiées au Bubble Tea, vous pouvez cliquer directement sur le point i qui se trouve sur ma gauche pour retrouver les playlists dédiées à l'entrepreneuriat pour mes vlogs ou bien les recettes à partager en famille ou entre amis. Et bien sûr, on se retrouve également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram en live et aussi en live sur Twitch. Merci à vous, ciao ciao.
Good boobs. Good boobs. Good vibes only.